un sport individuel pratiqué en équipe, là, il faut répéter qu'un jour de repos n'est jamais un jour vrai de repos pour les coureurs, puisqu'ils vont rouler pour faire passer l'acide lactique, pour faire passer les courbatures. Donc, ils sont allés rouler pendant 3 heures. Ils sont revenus il y a à peine une demi-heure. Douche, tout petit massage, déjeuner. Il y aura sieste après, mais entre le déjeuner et la sieste, Miguel Indurain sera là avec nous. Ah, oh là là, absolument, absolument promis, à 15h15. Allez, merci Gérard, on retrouve tout à l'heure aux alentours de 15h15 donc à l'hôtel des Banestos pour retrouver Miguel Indurain qui a beaucoup beaucoup de choses à nous raconter. On va revenir tout simplement dans un premier temps sur ce qui s'est passé depuis le départ de ce Tour de France. Si vous avez une petite cassette qui n'est pas très loin de votre magnétoscope, n'hésitez pas, on vous propose un document qui résume tout simplement tout ce qui nous a fait vibrer depuis le départ de Saint-Brieuc le 1er juillet dernier. Et tout de suite après, on s'intéressera à ce Tour de France avec Richard Virenque qui nous rejoindra sur ce plateau. On a eu à la fois un drame et puis une joie intense, inattendue. Le drame, le voici, la chute de Chris Boardman. Absolument remporter ce prologue. Jackie Durand, lui, lorsqu'il franchit la ligne, il y fait encore soleil, il n'y a pas de pluie, il ne se doute pas qu'il sera maillot jaune un peu plus tard. Et pourtant. La première échappée du tour, elle est pour Decker. Decker sera rejoint, bien évidemment. Et c'est un premier sprint avec une petite surprise quand même. Le sprint est en montée, c'est sa spécialité, c'est vrai. Fabio Baldato. Durand et Jalabert se lancent dans un joli petit match tous les deux. Le maillot jaune est sur les épaules de l'ancien champion de France, mais Jalabert joue les bonifications. Drame pour un vainqueur de l'an passé sur les Champs-Élysées. Eddy Seigneur, qui comme Conti, vainqueur à l'Alpe d'Huez, devra abandonner. Première victoire de Cipollini. Nous sommes à Vitré. Et Jalabert a volé le maillot jaune à Durand. Le contre-la-montre par équipe. Les Gewiss montrent qu'ils ont des choses à dire et il y a des choses à faire dans ce Tour de France. On croit encore à Berzine à cette époque. Mais Jalabert va sauver son maillot jaune grâce à la belle performance de l'équipe OMC qui pointe le nez également. Un coup d'œil sur la France, sur leur route, sur la pont de Normandie. Une échappée pour le Danois, mais le fait du jour sera encore dramatique. Une chute là, tout droit dans ce virage à gauche. Laurent Jalabert, le maillot jaune, est à terre. On craint le pire un instant. Il ne perdra que son maillot jaune. Il repartira sans mal. Mais c'est Götti qui, un peu contre sa volonté, a gagné le maillot. Le sprint a été remporté par Cipollini. Les échappés se succèdent entre Dunkerque et Charleroi, entre Fécamp et Dunkerque également. Les drames continuent. Après le maillot jaune, les galères commencent pour Jackie Durand. Cette fois-ci, il se relèvera. Des surprises, il en faut. Blyle Evans au sprint et Götti qui reste en jaune. Entre Dunkerque et Charleroi, échappé de Simon et Frison. Mais les deux hommes seront rejoints juste avant l'arrivée. C'est Zabel qui va l'emporter au sprint. Il y aura une petite cassure, on s'en apercevra même pas. La belle affaire pour Rhys qui prend le maillot jaune à son coéquipier Götti. Le tour va s'emballer entre Charleroi et Liège. On attendait Indurain le lendemain dans le contre-la-montre individuel et c'est là qu'il va porter sa première attaque. Il emmène avec lui Breunel, le Belge. Sprint et victoire de Breunel à Liège. Mais le grand vainqueur du jour, c'est Indurain qui s'est rapproché tout près de Breunel et qui a déjà distancé les prétendants à la victoire. Breunel en jaune en Belgique. Virenque, il faut le noter, tient son premier à poids. Et Jalabert, son premier vert. Ce
Ce n'est pas vraiment une surprise. Dans le contre-la-montre individuel, malgré une perte de bidon, Miguel Indurain va frapper un grand coup. La belle surprise, c'est le comportement de Bjarne Riis, qui limite très bien les dégâts. Il ne sera qu'à 2 minutes au classement général de Miguel Indurain, le champion du Danemark. Perd le maillot jaune pour quelques secondes. Il est aujourd'hui à un peu plus de 2 minutes. Belle surprise également pour Thibaut, même si l'avenir sera un peu plus sombre. On attaque la montagne entre le Grand Bornand et la Plagne après un transfert entre la Belgique et le Grand Bornand. L'homme du jour, c'est lui, Alex Tzoulé, encore un équipier de Jalabert. Il va aller chercher l'étape et une belle place au classement général, sur le podium pour l'instant. Mais derrière, tandis que certains connaissent les premières difficultés, tandis que Tzoulé remporte l'étape, et bien derrière, c'est une nouvelle fois Miguel Indurain qui va faire la belle opération. Emmené par Gérard Rué, le poisson pilote, jusqu'au pied de la Plagne, Indurain va à nouveau frapper un grand coup, le maillot jaune sur les épaules cette fois-ci. Plus que jamais, il est le patron du tour devant Tzoulé et Bjarne Riis. On attend du tricolore dans la Plagne Alpe d'Huez. Les ballons sont bleu, blanc, rouge. La victoire sera tricolore, mais ne sera pas bleu, blanc, rouge. Elle sera italienne. Malgré les efforts des Français, on a vu Brochard emmener Richard Virenque pour consolider le maillot à poids. Eh bien, c'est un Italien, Marco Pantani, l'un des plus grands grimpeurs du monde aujourd'hui, qu'il va réussir la victoire d'étape, même s'il a failli rater ce virage, j'allais dire d'un cheveu. Eh bien, Pantani remporte l'étape. Victoire italienne à l'Alpe d'Huez. Mais toutes ces accélérations ont fait des ravages. C'est Berzine qui descend le premier. On en faisait un des vainqueurs du tour possible. Moncassin devra abandonner également. Et puis, image terrible de Jackie Durand. Il se relèvera, mais il devra abandonner comme Bruno Thibault, son jeune équipier. À Saint-Étienne, c'est Siandri qui devance Buenaro Sprint. Victoire pour l'anglo-italien. S'il est une image qui reste dans nos têtes après ces 15 premiers jours, c'est bien celle de Jalabert au pied de l'arrivée à Mende. Saint-Étienne-Mende en Lozère. 6 échappés, dont 3, on ne sait. Jalabert conforte son maillot vert et remporte l'étape du 14 juillet. Outchakov devant Armstrong, un Ukrainien russe devant un Américain, c'est aussi une image du tour. Et puis la 14e étape, c'était hier, entre Saint-Orens et Guzet. Pantani à nouveau à l'attaque. Derrière, les plus grands limiteront les dégâts, mais Indurain, une fois de plus, terminera en canon. Avec une belle démonstration de Laurent Madouas. Richard Virenque, lui, s'est contenté de consolider à nouveau son maillot à poids. Il manquait une toute petite chose à Richard pour se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Qu'est-ce qui vous a manqué, Richard ? Ben, c'est-à-dire qu'en ayant une bronchite en abordant les Alpes, c'était difficile pour moi. Donc, c'est en train de sécher. Et pour l'instant, je pense que je vais aborder les 2 derniers jours des Pyrénées en bonne condition. Alors depuis le début de ce tour, Patrick Voix, nos caméramans, est à vos côtés. Vous avez accepté donc de vivre avec lui en quelque sorte. Parlez-nous un peu de l'état d'esprit qui règne dans votre équipe avant que l'on découvre les images. C'est toujours la gaieté? Il y a eu des angoisses, des inquiétudes? Comment ça se passe? Au début, ça a bien commencé. Après, il y a eu le départ de Pascal Hervé qui a été triste pour notre part. Et après, tous tombaient un peu malades, moi après d'une bronchite, tous en avaient des petits pépins. Donc heureusement qu'on avait le maillot à poids dans l'équipe qui remontait le moral. Et là, je pense qu'on va aborder des derniers jours satisfaisants.
Alors, je vous laisse un peu commenter ces images qu'on voit rarement. Là, on vous sent toujours. C'est vrai, vous avez un abord facile, vous êtes souriant, mais on vous sent quand même tendu quand on voit les images. Le Tour de France, c'est quand même, c'est pas une partie de rigolade. Hein. Oh, c'est l'amusement, mais aussi il y a beaucoup d'enjeux. Donc, des moments, on est un peu tendu, crispé. Mais là, j'étais un peu inquiet juste pour trouver l'hôtel. C'est pour ça que je regardais les panneaux attentivement. Mais c'est sûr que le Tour de France, il faut rester vraiment concentré dans la course. Et là, voilà, là c'est un moment d'amusement. Et là, j'étais en train de leur dire haut les mains, sinon je vous arrose. On va voir autre chose, une image assez étonnante. On ne connaît pas trop l'arrivée des coureurs. Ça, c'est les déjeuners, les dîners. C'est là que vous avez plus le temps de vous retrouver. De se restaurer. Et bon, là, il y a le maillot, la combinaison qui m'avait mis sur le dossier pour faire le contre-la-montre. Parce que comme j'avais été maillot à poids l'année passée, j'avais le droit de faire le contre-la-montre avec le maillot à poids. Là, on s'est restauré, tout comme tous les jours, c'est des pâtes. Heureusement qu'on les aime, sinon c'est difficile. Un document un peu étonnant dont je parlais, ce n'est pas le déjeuner ou le dîner. Hein. Ça, c'est des petits moments volés qu'on aura l'occasion de revoir dans différents documents qui vous seront consacrés, Richard. Mais c'est l'arrivée après les étapes, la tension qu'il y a lorsque vous retrouvez. Regardez, écoutez, regardez. Oh là, ça a failli. Il y a beaucoup. T'as pas tout vu toutes les gamelles, il y a eu au moins 10. Attends, il y en a quelques-unes, elles se sont passées devant moi. T'as pas un peu du pec citron là, ou du savon? J'en profite, comme ça je me laverai pas ce soir. Voilà, ouais, c'est ça. Hein. Et après, on les gens, ils n'imaginent pas que les professionnels, ils mettent leurs pieds dans les bassines aux arrivées et ils lancent les... C'est dur la vie de cycliste, hein. Ouais, ben, il fallait faire un peu la lessive des chaussures, comme on avait pris de la pluie, tout ça. Donc, on en profitait en arrivant dans les bassines des mécanos. On en profitait pour se laver un peu les jambes et les chaussures, comme ça, c'était pas à faire dans la chambre. Et bon, là, on est trempé et on va se... Alors, de la casquette, là. Ouais, voilà. Vous donnez toujours quelque chose, vous répondez toujours aux sollicitations. On vous regarde dans des moments un petit peu plus tendus. Je voulais faire la Vuelta, voilà. Là tu vas la faire, c'est sûr. C'est très net sur la radio. Il y a ici quelque chose qui est brisé. Et tu vois ici. Et on peut aussi voir ici. Voilà. Extrême, pas exotique, extrême. Là, juste, boum, là. Là, on regardait la chute qu'il y avait eu la veille. C'est-à-dire la chute avec Armstrong qui avait eu la veille, et donc on était passé en bus et on marquait. On avait dit que c'était ici que c'était tombé, il y avait eu une grosse chute. Là, c'est. C'était quoi ça? Ben, c'était des moments difficiles du Tour de France. Quand il y a un copain qui nous quitte comme ça à cause d'une chute, c'est difficile sûrement. Surtout quand c'est un bon copain et qu'on a... Dans une équipe, il y a des atouts, et dans cette équipe, c'était un peu Pascal Hervé l'atout. Donc ça faisait mal au cœur. Alors ce document, c'est Patrick Voix donc, qui est avec vous pour ce tour. Il va rester avec vous encore une semaine. Il faut bien ouvrir la porte, il faut tout lui montrer. Et on essaiera ensuite de montrer un peu tout ce qui se passe derrière. Alors ce qui se passe derrière, c'est aussi des fous rires, des sourires. Et Stephen Hodge doit y être pour beaucoup aussi, non? Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui est dans l'équipe, qui essaye, avec son âge et son expérience vécue dans les autres équipes, essaye de nous raisonner et nous donner des conseils ou des tactiques à employer. C'est un faux tranquille, Richard. Il paraît facile quand il y a du public. Quand on le trouve tout seul, on sent quand même que pour être un champion, il faut aussi une concentration de tous les instants. Oui, c'est sûr. Je pense justement c'est un champion facile à vivre. J'ai dit avant, je vais redire, j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec non seulement Richard mais avec tous les gars. Et il faut dire, il a dit que Pascal Hervé c'était un élément clé pour nous, non seulement pour ses qualités de grimpeur qu'on a vu l'année passée dans le Tour, mais aussi pour la même mentalité que on exprime tous, on rigole ensemble, on passe des moments forts ensemble. Et bon, Richard, c'est un champion facile à vivre, quoi. J'ai pas beaucoup de choses à faire. Vous êtes copain avec Thomas Davy? Oui, on a passé les vacances ensemble en Guadeloupe,
Et donc Thomas, je le connais, on a couru pas mal ensemble et on a passé des vacances d'hiver ensemble. C'était assez sympa. C'est un beau boulot pour Miguel Indurain. Hein, ouais, ouais, ben, en signant chez Banesto, je crois que c'était tous ceux qui vont là-bas, ben, ils savent ce qu'il leur reste à faire dans le Tour de France, c'est se sacrifier à 100%. Alors heureusement que vous n'avez pas dit de mal de Thomas parce qu'il est avec nous en direct aux côtés de Gérard Rolls. Gérard, ça s'annonce bien pour Thomas. Oui, Patrick, entre la douche et le déjeuner, Thomas David vient de nous rejoindre. Vous m'entendez bien, Patrick? Parce qu'en plus, c'est une performance encore technique. Hein, là. Nous sommes en liaison par satellite avec nos amis de la HF2, directement sur Paris. Thomas, vous écoutez, vous nous écoutiez, enfin, vous écoutez Patrick Chen il y a quelques instants. Vous avez roulé ce matin, parce qu'on le disait tout à l'heure, le repos, ça n'existe pas pendant le Tour de France. Le repos, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, avec Miguel, on est parti donc reconnaître le premier col d'Aspet qu'on va franchir demain. Au début, on était très nombreux parce que tout le public espagnol est présent ici. Et heureusement qu'au fil des kilomètres, le peloton s'est un peu plus réduit. On s'est retrouvé donc les 9 coureurs de la Banesto. Et bon, bah, ça sera un col, je pense, assez facile à passer. Et ensuite, on verra pour la suite. On a quand même fait 100 km aujourd'hui. Et c'est important pour nous de continuer à garder un certain nombre d'heures et de kilomètres pendant l'étape de repos pour pas que l'organisme soit trop chamboulé par rapport à tout ce qu'il a vécu les dernières semaines. Vous êtes passé dans la catégorie supérieure en venant chez les Banesto, c'est-à-dire que vous avez vraiment, vous êtes passé de l'école maternelle au lycée ou du lycée à l'université. C'est vraiment une équipe très professionnelle. C'est une équipe très professionnelle, mais c'est surtout une autre expérience parce que j'ai fait le Giro. Je suis le seul du groupe à avoir fait le Giro et arriver ici sur le Tour, mais c'est pour moi une autre expérience que celle que j'ai connue l'année dernière avec Casto, où j'étais un peu propulsé leader sur la fin du Tour, et où cette année par contre je suis équipier de luxe et un autre service que je dois rendre donc pour Miguel, et une autre façon de voir le Tour. Le programme de la journée, là, maintenant vous allez déjeuner? Maintenant on va déjeuner, et ensuite le massage et une sieste à la manière espagnole, et pour bien récupérer demain, garder toutes les forces pour que demain on puisse accompagner Miguel le plus loin possible, et je pense qu'il pourra montrer ses qualités encore de grimpeur. Sport collectif, hein, Patrick? Il est là, regardez. C'est... Grande bagarre, Thomas se prépare, il a raison, il va faire une sieste à l'espagnol pour être en forme demain. Allez, racontez-nous cette étape de demain qui est, je pense, la plus belle du Tour, sur le papier, non? Oh oui, c'est vrai que ça s'y prête bien avec le Tourmalet en fin de parcours. Je crois que le Tourmalet sera un point stratégique pour les grandes attaques. Et on arrivera en plus au Tourmalet, et on aura fait pas mal de cols avant, donc on sera bien fané, comme je pourrais dire. Et dans le Tourmalet, il risque de se passer des changements de situation, ou alors une domination impériale de Miguel Indurain, et Pantani va attaquer aussi, ça c'est certain, parce que comme il marche maintenant, en ce moment, il pourra que attaquer. Donc je pense que demain, ça sera une étape dure à digérer, et il faudra être aux avant-postes. Alors, on va vous libérer dans quelques instants pour aller faire aussi la sieste à l'espagnol. Moi, j'aimerais remercier Stéphane, parce que vous n'avez pas vu, vous étiez sur votre vélo, mais on vous donnera une cassette, le document formidable que vous nous avez proposé lors de la journée de repos de transfert entre Liège et le Grand Bornand. Et vous verrez tout à l'heure, le temps que vous soyez rentré à l'hôtel tout à l'heure, vous pourrez le voir à la télévision, parce qu'on en repassera un extrait en fin de cette émission. Mais je vous demande de rester avec nous quelques instants, parce qu'il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène Richard Virenque, que tout le monde le connaît, qui est né l'an dernier avec ce club de supporters, etc. Et cette année, il y a du Virenque, il y a du Jalabert. Il y en a même vu des pancartes, je ne sais pas si vous avez le temps de les voir sur le bord de la route, des pancartes communes Virenque-Jalabert. Alors Christophe s'est intéressé, lui, au phénomène Jaja pour en parler avec Richard. Ce qui est formidable, Patrick, grâce à vous, grâce à tout le monde, c'est que nous, on n'a pas vraiment de pression sur ce Tour de France. Et depuis 2-3 jours, on s'est baladé. Donc, on a vu des villages. J'ai même rencontré un âne, vous verrez plus tard. Non, c'est vrai. Et puis, donc, comme vous l'avez dit, l'an dernier, le chouchou du public, c'était Richard. Ben, cette année, il partage le titre de chouchou auprès du public français, du Virenque, du Jalabert. Et donc, cette année, beaucoup de Jalabert. Le chouchou Jaja ? Le chouchou Jaja. C'est parti. Nous pouvons faire mieux, oh Jalabert, oh
du Tour, il y a ces gens du Tour qui montrent leur joie d'être là. Au bord de la route du Tour, il y a des visages d'enfants émerveillés par le spectacle de la grande boucle. Et sur la route, il y a des rouleurs à vélo. Et sur le bas-côté, des spectateurs qui font la fête aux coureurs. La route du Tour, ça sent si bon la France. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs emplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Jalabert ou Virenque, le Tour de France, ça peut se vivre en bleu, blanc, rouge. Il suffit d'être au bon endroit. Où est-ce qu'on est là? Juste ici, là, Chaumy, là. Entre Craponne, voilà, Craponne et Chaumy, là, sur le doigt. L'Auvergne ou la Haute-Loire, c'est un département un peu perdu. C'est le désert de la France, alors quand il y a quelque chose, ben, ça fait toujours plaisir. Hein. Au bord de la route du Tour, il y a les villages et le peloton des spectateurs qui vient voir passer Jalabert et le peloton des coureurs. Alors au village, c'est la fête aux couleurs. Alors ma foi, maintenant on est bien content, hein. Ça fait un peu de mouvement et un peu de monde, hein, finalement. Surtout quand il fait beau comme aujourd'hui, ça fait une sortie. Bon, on va y aller, hein. Oui, madame, on va y aller parce que c'est l'heure du casse-croûte. Au menu des tripes et de la bonne humeur, ici c'est le peloton des mangeurs et des buveurs. Non. À la vôtre. Merci, monsieur. Et le vin, il est comment, s'il vous plaît? C'est du vin de pays, il est bon. S'il est bon, à la santé des petites reines. C'est comme ça et c'est heureux, les villages sont conquis par le Tour de France quand les mômes se déguisent et qu'ils pédalent tranquilles avec leurs petites jambes qui emmènent le petit braquet. Vive Chaumy, le plus beau village de France. Et merci à vous, le Tour. Plus loin, au bord d'une autre route, on a rencontré un âne. Mais pas n'importe quel âne. D'abord dans son champ, il est maillot jaune. Et en plus, c'est un âne qui parle. Dans son champ, l'âne au maillot jaune, c'est lui le patron. Il va y avoir droit le patron. Salut l'âne, on t'aimait bien. Maintenant, en route pour la Lozère. Ja, il y a le Castres olympique. Castres olympique, ja. Qu'est-ce que vous voulez de plus, hein? Allez, ja. Jalabert. Il est vraiment chez lui ici, Jalabert. Je pensais. Les banderoles parlent d'elles-mêmes. Hein. Oui, monsieur le gendarme, elles parlent d'elles-mêmes, ces banderoles de France qui font la fête à Jalabert. Ou quand le grand public des spectateurs se paye une belle histoire d'amour avec un coureur. Et vous savez comment on peut le reconnaître, Jalabert? Jalabert, oui, il a le maillot vert. En vert et contre tous, vainqueur magnifique amande. En jaune, Laurent Jalabert de Mazamet, qui porte les couleurs gagnantes du Tour, qui porte les couleurs des champs. Jalabert, il est en jaune et vert, comme sont les tournesols du pays ici. Il y a du jaune et du vert. Vous voyez, je voulais insister sur le... C'est les couleurs du tournesol. Cette année, sur le Tour de France, Jalabert, c'est mieux qu'un champion. Jalabert, c'était un nom, et par la grâce de son talent, le public lui a donné un surnom. De Jalabert à Jaja, de l'admiration à l'adoration. La cuvée de Jaja. Et il n'y en a qu'un, il est là, il est toujours là, c'est le Jaja. C'est la fête, on y revient, on s'en souvient. Allez, bravo. En poursuivant notre chemin, la route du Tour nous a menés jusqu'aux Pyrénées. Là, il y a le bâton de berger et le chien qui aime se gratter. Ici, en montagne, on aime... Jaja. Allez, jamais ! Et si jamais vous redescendez, vous verrez qu'en plaine, ici aussi, on aime Jalabert. Même là, on s'y attend le moins. Vous avez un favori ? Oui, Richard Virenque et... Oh, je cherche... Laurent Jalabert. C'est samedi, focus en fer, repos jusqu'à lundi. Volotte et redisent d'air, oh, ça sent bon le pays. Quel pays, mais ça sent bon notre pays, mais oui. Merci encore une fois, vive Jaja. Alors,
Alors Richard, on a vu que cette bonne sœur avait trouvé Richard Virenque tout de suite, ensuite Laurent Jalabert. Est-ce qu'il y a de la place pour deux dans le cœur des Français ? Oh, même, je crois qu'il y a la place pour beaucoup plus. Hein. Et c'est sûr que sur ce tour, dans la région où on se trouve, Laurent est à domicile et il a la chance de courir pas trop loin de chez lui. Et que pour ma part, la région de Toulon, quoi, le Var, on y passe rarement dans le Tour de France. C'est bien dommage parce que je crois qu'il y aurait beaucoup de monde aussi à apprécier ça. Mais je crois que niveau touristique, il y a trop de circulation et les conditions ne peuvent pas s'y prêter. Mais bon, pour ma part, ben, il y a la place pour beaucoup plus de supporters. Parce qu'il y a eu Antilpouli dehors. En Italie, dès qu'il y en a deux, Bugno Cappucci, c'était des déclarations dans la presse. Toi, t'es comme ça, moi, je suis comme ça. C'est pas imaginable. Non, avec Laurent, il y a le bon courant qui passe et il n'y a aucun problème. Et c'est comme ça qu'on doit le voir. Mais bon, les médias, des fois, ont tendance un peu à nous inverser ou à se tirer à bord. Mais l'avantage avec Jaja, c'est qu'on est dans deux stades différents. Lui, il est sur un stade couleur verte et moi sur un stade couleur à pois. Donc, en tout cas, c'est beau pour le cyclisme français et c'est beau pour nous tous, pour les spectateurs, les téléspectateurs, que d'avoir deux Français leaders de maillots importants. Bon, le jaune est un peu espagnol, il faut bien l'admettre. Oui, il le restera sans doute. Mais le maillot à pois et le maillot vert à ramener à Paris, ce serait une belle performance. Question piège, qui est dernier du classement général ? Je vous avouerai que tous les soirs, quand je regarde le classement, je regarde les 15 premiers et je m'en arrête là. Mais bon, j'ai appris que Bruno Boscardin de l'équipe est dernier du classement général. Non, raté. Non. C'est un autre Bruno. Complètement raté. Non. Cornier. Complètement raté. Ah, Bruno ben ouais. Cornier. J'ai entendu un Bruno, alors je pensais qu'il était... Il va m'en vouloir que je l'ai mis dernier du classement. Boscardin, il va me recevoir tout à l'hôtel. Je pensais que c'était lui. À mon avis, Boscardin, vous allez le revoir demain dans le peloton. On parlait de Bruno. Alors moi, Bruno dans notre équipe, il y a Bruno Roussel, mais sinon... Parce que Bruno pourrait être dernier du général. Oh, ça va être bien. Dernière voiture au classement dans le peloton des directeurs sportifs. Va être content, Roussel. Non, c'est Cornier qui est le dernier du classement général. À 2h54 minutes 52 secondes du leader. Et Bruno, c'est un personnage intéressant parce qu'il a été équipier modèle, il a fait partie de la grande aventure de l'équipe Z avec Lemon et compagnie. Et puis bah, il vit ça pas trop mal parce qu'en fait c'est sa forme qui est en train de revenir. Il est content, il se dit bon, ma condition physique revient. Mais quand même, ce qui était intéressant pour nous, Patrick, c'était de savoir comment ça se passait de l'arrière. Il y a des anecdotes assez incroyables. Alors avant de retrouver l'avant avec Induren, qui est notre invité donc dans quelques minutes, on va voir le tour de l'arrière, comme Laurent ne l'a pas vu beaucoup et Stéphane pas beaucoup non plus de l'arrière. On va le voir avec Bruno Cornillet et Thierry Blanco. Bah oui, la lanterne rouge. Je suis la lanterne rouge, hein, et donc ça me rend populaire, tout, c'est un côté marrant. Mais en fait, on est condamné à l'autobus, et donc ce côté du tour, je le vis finalement dans l'autobus, et c'est assez extraordinaire de connaître le peloton sous cet aspect, parce qu'en fait, on est tous des chevaux de course, quoi, poussés à l'extrême, on veut gagner. Mais quand on voit vraiment que bon, c'est pas pour nous aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On reste bien groupé, sagement, on essaye de passer l'école pour arriver dans les délais. On est attentif aux spectateurs, on regarde, on scrute celui qui se sent vraiment concerné, quoi, qui va nous apporter l'information utile, notamment celui qui écoute la radio. Et quand on connaît le début de l'ascension, on sait que si c'est l'arrivée au sommet, le vainqueur, il passe la ligne. Donc on imagine à peu près qu'il faudra aller vers un spectateur qui possède une radio. Et au moment où il nous donnera le nom du vainqueur, là, on déclenche notre chrono parce qu'on peut savoir ainsi si on arrivera dans les délais ou bien si le soir, on est à la maison. Parce qu'en fait, chaque matin, quand la condition est précaire, quoi... Hein, eh bien, on se dit, attention, Bruno, ce soir, c'est peut-être pour toi de prendre le chemin de retour. Et ça, franchement, on n'en a vraiment pas envie. Là, j'ai eu vraiment un moment très fort dans ma carrière, d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas très souvent que le professionnel français, il a le loisir de traverser déjà sa contrée. Et puis là, c'était vraiment mes terres d'entraînement, la côte d'Émeraude. Et j'ai souvenir que après le sprint bonification, ben, j'ai demandé tout simplement un bon de sortie. À qui vous l'avez demandé ? Alors j'ai déjà prévenu
un Durin. Il m'a dit, moi, pour moi, ça représente pas de problème. Bon, après, j'ai été voir ceux qui possédaient le maillot jaune, c'était les Castos. Et puis bon, alors, je suis parti, ils m'ont laissé. Mais en fait, j'ai eu une grande chance, c'est que le début de tour n'a pas été emballé comme certaines années. Et qu'après cette bonif, là, bon, les coureurs se sont, disons, ont levé un peu le pied, ce qui m'a permis de prendre une minute trente, vraiment. Ils savaient qu'ils me reverraient de toute façon à Erquy. Hein. Donc là, je les ai attendus, puisqu'ils savent que je suis loyal, et donc il n'y a pas de problème. C'est un sport très difficile, hein, le cyclisme. C'est très dur, et voir après plusieurs jours que la forme, la condition, ben, elle stagne encore, c'est des fois décourageant. Et quand j'ai vu ce pré-ballet, j'ai dit, bon, Bruno, t'as 32 ans, il faut que tu penses à autre chose. Effectivement, de toute façon, j'ai préparé mon avenir, je suis pilote professionnel, hein, et j'aimerais bien me reconvertir là-dedans si j'en avais l'occasion. Actuellement, je pense vraiment à mon métier, car c'est une passion, le vélo. Et quand j'ai vu ce pré-ballet, je me suis juste, j'ai dit ça, et puis bon, c'est le Tour de France quand même, je veux dire, pour un Français, on désarme pas, on a vraiment l'envie de réussir. Qu'est-ce que vous avez vu de précis? Vous avez vu des garçons s'arrêter devant vous? Ah, j'ai connu des retours assez spectaculaires, par exemple, Frédéric Moncassin, ça m'a marqué parce qu'en fait, il était loin derrière, et je l'ai vu revenir. Lanterne rouge, mais optimiste quand même. Oui, bien sûr, et je pense de toute façon que c'est un petit peu comme dans la vie en général. Hein. Il faut qu'on ait de l'espoir pour pouvoir insister, parce que franchement, c'est très dur. Je sais que vous ne les avez pas trop vus, mais votre pronostic pour dimanche, c'est Indurain, Zuleu ou un Français? Bon, moi, je pense de toute façon que ce sera un Durin. Hein. Là, il a vraiment assuré déjà, puis avec l'avantage qu'il a, il s'agit plus que de gérer maintenant pour lui, puisqu'il a montré ses dents blanches, ce qui lui a valu de prendre quelques minutes. Et donc, il est plus facile quand même de les garder que d'aller les chercher. Montrer les dents blanches, ce sera l'expression qu'on gardera de Bruno Cornier. Alors Bruno, très courageux, hein, le pré-ballet, ce qu'il appelle le pré-ballet, c'est la voiture qui est juste derrière le dernier coureur et qui happe ses coureurs lorsqu'ils abandonnent. Et c'est vrai que c'est toujours assez dur à vivre pour un coureur de voir que derrière, il y a le ballet ou le pré-ballet. Merci Thierry. On s'intéresse maintenant au Tour de France vu de devant, avant de retrouver Miguel dans 3 minutes, avec Claude Aymard. Claude, vous avez choisi de rencontrer un personnage qui nous plaît beaucoup, oui. Parce qu'on aime bien s'intéresser aux noms français. On a vu Stephen Hodge tout à l'heure, et on va maintenant voir Bjørn Rich. Il a une particularité, le Danois Bjørn Rich, c'est qu'il il réfléchit avant de parler. Il tourne sa langue cette fois dans la bouche. C'est vrai, il parle lentement, mais j'ai trouvé quelqu'un de très sympathique et qui va encore nous étonner. Et Jaja, je crois qu'il veut récupérer sa troisième place. Attention, il va encore attaquer. Certainement, c'est pas un secret. Pour le spectacle aussi, parce que c'est quelqu'un qui aime bien le spectacle et pour nous faire vivre, et pour vivre lui aussi, encore de grands moments à l'avant du peloton. Allez, on regarde tout ça. Bjørn Rich, quels sont les grands moments de ce Tour de France, pour l'instant, qui sont dans votre tête, et comment les avez-vous vécus en tête du peloton? Bon, pour moi, il y a plusieurs grands moments. C'était, mon maillot jaune. Et c'était un moment extraordinaire pour moi, parce que quand même, le maillot jaune, c'est quelque chose qu'il y a très peu de coureurs qui peuvent avoir, même des grands champions qui n'ont jamais eu une maillot jaune. C'était fantastique. C'est un maillot que vous avez pris à votre coéquipier, Ivan Gotti. Racontez-nous le soir, est-ce que vous êtes parlé? Bien sûr, on avait parlé et puis il m'a dit ça fait rien, je suis désolé. J'avais dit à lui, mais il m'a dit c'est bon, c'est normal, c'est la course, il n'y a rien à faire. C'est pas ma faute, non? Alors, autre grand moment, le contre-la-montre individuel. Et ça a été un très grand moment. Là, vous êtes affirmé parmi l'un des meilleurs. C'est vrai, d'arriver aussi près de Miguel, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a très peu de coureurs qui ont réussi de faire ça. Pour moi, c'était un exploit vraiment extraordinaire parce que ça veut dire que mon condition est au top et ça veut dire aussi que j'ai des grandes possibilités.
Alors, Miguel, après, dans la montée de l'Alpe d'Huez, vous l'avez accompagné, et là aussi, c'était très fort. Oui, en plus, j'ai reçu des attaques au pied de l'Alpe. Ça veut dire que la forme est toujours là. J'étais très fort. Et bon, j'arrive avec lui. À l'arrivée, c'est vraiment bien. Et c'était un grand moment pour moi parce qu'en plus, il y avait beaucoup de Danois sur la route. Aussi dans la montée des Alpes d'Huez. Et c'était fantastique parce que j'ai vu tous les drapeaux. Il y avait mon nom écrit partout sur la route. C'était vraiment impressionnant. Alors, le contre-la-montre par équipe, en roulant, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous avez comme souvenir de vos coéquipiers? C'était un bel souvenir parce que tout le monde était très très fort et ça roulait très régulièrement. Et c'était une grande journée pour tout le monde. C'est sûr, tout le monde a un peu peur des contre-la-montre par équipe parce que ça roule très très vite et tout le monde a peur de craquer, de faire trop des efforts au début, après coince, des choses comme ça. Ensuite, l'étape de Mende, là c'était pas vous le héros, c'était Jalabert, mais quand il est parti, vous l'avez vu? Ouais, j'ai vu parce que je cours toujours devant. Et j'ai vu, il était très fort cette journée-là et il voulait absolument partir. Et il a fait un grand numéro cette journée-là. Et je suis très content pour lui parce que c'est un grand champion. Et il a fait un exploit. En plus, le 14 juillet, c'est fantastique pour lui. Bon, et en plus, il a pris la troisième place au général. C'est bien pour lui. Peut-être ça va se payer parce que c'est sûr, il va être fatigué maintenant, mais quand même, il dit déjà ce qu'il avait fait, c'est super. Comment ça se passe la course à l'avant? Il y a des règles, il y a des entre les leaders, les premiers du classement? Oui et non, il y a des règles, mais il y a aussi des surprises. Il faut des surprises, sinon il faut des coureurs comme Pantani qui ça donne les couleurs aux courses, non? Et en plus, je me dis, même hier aussi, c'est pour ça que j'ai attaqué hier aussi. On ne faut pas toujours rester dans le roulé, Miguel. La course vient trop gris si on n'attaque jamais. Faut prendre des risques. Moi, je me dis, bon, ça passe ou ça craque. C'est ça qui... Il faut faire des belles spectacles, quand même, je pense. Voilà, du beau spectacle. En tout cas, il est danois. Il prend la peine de parler français pendant 5 ou 6 minutes là pour nous raconter son tour. Merci Claude Aymard, merci Thierry donc, pour ce regard vu de derrière, vu de devant. Et bien, comme promis, c'est notre rendez-vous maintenant avec Miguel Indurain qui doit se trouver aux côtés de Gérard Rolls. Miguel a eu la gentillesse donc, de couper la fin de son déjeuner, si j'ai bien compris, pour être avec nous. Vous le remerciez de notre part, Gérard. Oui, je ne sais pas vraiment le dire en espagnol. Ça, c'est mon fiston Julien qui parle et qui est premier en classe en espagnol. Donc, on va essayer de parler en français. Disponibilité extraordinaire quand même de ce grand champion qu'est Miguel, grâce à Francis Lafargue, il ne faut pas l'oublier, c'est son confident, c'est lui qui va nous aider à traduire tout à l'heure si on parle en espagnol, mais il a interrompu son déjeuner carrément. Est-ce que vous connaissez beaucoup de champions de tennis ou de Formule 1 qui pourraient faire la même chose, hein? Enfin, on ne va pas en faire des couches là-dessus. Merci Miguel d'avoir interrompu le déjeuner. Alors, ce matin, Thomas Davy nous disait, vous avez fait à peu près 100 km, c'est ça? Le micro? Vous avez, pardon. Sì, la mattina fai l'entrenamento, il primo call di domani e poi tu plan per regresare all'hotel. Va bene. Il calore, c'è formidabile. Vous aimez beaucoup la chaleur, hein? Avec la chaleur, ça vous donne de l'énergie. Sì, meglio che ieri con la pluie, c'è la chaleur che va bene per me. Miguel, est-ce que vous êtes fatigué?
parce que beaucoup de coureurs se plaignent du rythme, de la vitesse du peloton, des attaques sans arrêt. Est-ce que vous, même si vous, vous avez le maillot jaune, est-ce que vous êtes fatigué? Si, tous les coureurs fatigués, et moi aussi, non? Et non seulement pour le Tour de France, mais toute la saison, c'est très fort, non? Depuis enero, depuis juillet jusqu'à le Tour de France, c'est roulé très très vite. Tous les coureurs sont fatigués, et après la chaleur, que tu fais le bidon, le Coca-Cola, Fanta, et après malade. Et c'est normal que tout le coureur fatigué. Alors, une des questions qu'on se pose, Miguel, quand on vous voit, par exemple, hier, monter dans le brouillard avec Rhys, avec Gauthier dans la roue derrière, c'est est-ce que, ça paraît bête de dire ça, c'est peut-être un peu naïf, mais est-ce que vous souffrez autant que les autres? Lorsque vous, là, par exemple, vous étiez en chasse derrière Madouas, on voit votre visage et on se dit, mais c'est un extraterrestre, Miguel. Est-ce qu'il souffre aussi à l'intérieur? Est-ce que c'est dur pour vos muscles, pour vos cuisses, pour votre dos? En l'intérieur, sí, va très fatigué. Et la jambe, c'est très fatigué. Pero va bien, ¿no? C'est la confiance, la force que tu vas pour faire la course bien. Tout le coureur va pareil, ¿no? C'est une étape difficile pour la descente, le col, la pluie. Et au final, c'est une arrivée difficile. Qui vous craignez le plus maintenant, Miguel? Maintenant qu'on arrive face au verdict des Pyrénées, demain ça va être terrible, après-demain encore, très difficile. Alors qui? Rhys, Soule, Gauthier, Jalabert? Si, Pantani, qui marche très fort en ce moment. Et alors Soule, Rhys, qui veut faire le podium de Paris, et Jalabert. C'est le... Ils sont encore tous dangereux pour vous? Si, si. C'est tous les coureurs dangereux parce que demain c'est difficile, après demain c'est très difficile. Mais Pantani ne peut pas aller chercher le maillot jaune quand même. Si? Il va très bien. Les Alpes non marchent très bien, les Pyrénées va très fort. Et je pense que la mentalisation va bien. Il gagne deux étapes de montagne et demain, puis il va faire une belle course. Miguel, je sais qu'il y a un mot qui vous énerve un petit peu, c'est programmé. On dit de vous que vous êtes programmé pour le Tour de France. C'est-à-dire que vous, le championnat du monde, aucune importance. Milan-San Remo, le Tour de Lombardie, Paris-Roubaix, vous vous en moquez. En revanche, le Tour de France est numéro un, objectif numéro un, et vous faites toute votre saison pour le Tour. Si, le Tour de France, pour moi, c'est la meilleure course du monde. Et je fais tout le possible pour arriver au Tour à 100%. Et autres années, j'ai fait le Giro, j'ai fait la Vuelta, mais non à 100%, sinon je arrive au Tour à 100%. Et cette année, j'ai gagné le Premier de Livre, Dauphiné et beaucoup de courses. Petite traduction, Francis, là? Non, je pense que Miguel s'est bien exprimé en disant qu'il a fait cette année le choix avec le Midi Libre et le Dauphiné à la place du Giro d'Italie et qu'il a pu arriver donc à 100% de ses moyens pour le Tour de France qui reste la course la meilleure pour lui et la plus belle. Miguel, il y a beaucoup de coureurs qui ont fait le Giro et qui sont aujourd'hui encore plus fatigués que les autres. Vous pensez aujourd'hui que c'est une erreur de faire Giro et Tour de France? Non, c'est une erreur faire le Giro et le Tour de France. Mais cette année, le Giro est très dur et mal tempo. Donc, il y a eu les coureurs au Tour très fatigués. Oui, ce n'est pas certes une erreur, mais il faut savoir que cette année, il y a eu du mauvais temps, très mauvais temps au Giro. Donc, les coureurs, pour cette raison, sont arrivés très fatigués au Tour de France. Miguel, tout à l'heure, Bruno Cornillet parlait du syndrome des dents blanches. Il disait, Miguel, c'est les dents blanches quand il attaque. C'est le fameux sourire. Vous avez deux sourires, Miguel. Il y a le sourire que vous avez aujourd'hui, qui est un sourire de protection contre votre vie privée, votre personnalité. Quand vous ne voulez pas vraiment répondre à une question, vous souriez et puis allez, vous dites, vous passez à autre chose. Et puis, vous avez le sourire de l'effort. On vient de le revoir sur les images tout à l'heure. Là où il y a aussi un sourire avec une sorte de masque d'effort. Sí, mucha gente cree que me voy riendo cuando voy forzando y cree que no voy a tope. Sin embargo, es un gesto, una expresión. No es que vaya riendo, sino que voy a tope.
Oui, beaucoup de gens pensent que je ne souffre pas quand on me voit dans l'effort en train de sourire. Mais non, c'est le contraire. Je suis souvent au maximum et je souffre comme beaucoup de monde. Donc c'est une expression tout à fait personnelle, naturelle. Comment vous vivez ce Tour 95, Miguel, qui peut-être est un tour historique pour vous, parce que non seulement ce serait la cinquième victoire, mais en plus ce serait 5 victoires consécutives. Donc beaucoup de pression normalement. Non, la pression tous les ans igual, non? A tope, l'accepto. Vivo hace 6 años con ella y l'accepto, non? Para mí es un tour como otro cualquiera y luego pues al final cuando llegue un poco mi retirada, veremos cuántos, si son 4 o 5 o cuántos son. Non, c'est une pression que j'accepte et que j'assume. Bien sûr, quand viendra l'heure de me retirer, je ferai le compte des tours que j'ai gagnés. Mais ce n'est pas une histoire de record, c'est une histoire de responsabilité d'assumer cette situation. Alors un petit mot maintenant sur la vie privée. Hier, vous avez fêté au moins 5 fois vos 31 ans. Ça fait plus de 150 ans en une journée, en fait. Ah, hier, que se festejado 5 veces en un pastel de... Il y a eu des gâteaux le matin. Il y a presque eu des gâteaux pendant la course. Et il y a eu des gâteaux à l'arrivée encore sur le podium. Sí, llevo como hace 4 días celebrando el cumpleaños, de que si una televisión quiere grabar antes, unas fotos, un reportaje, y llevo ya unos cuantos días celebrando el 31. Oui, ça fait déjà plusieurs jours que je suis en train de fêter mon anniversaire parce qu'il y a des photographes, il y a des télévisions et il y a déjà donc plusieurs jours que je fête mon anniversaire et que je souffle des bougies. Et bien ça continue. Allez, Michel Bordeaux, qui est le propriétaire ici de l'Hôtel des Échelles, qui vient encore vous mettre un tour de France avec quelques petites bougies. Oui, Patrick. On a eu peur que ce soit l'entarteur quand on a vu. Ah oui, ah oui, le gloupier. Non, Michel, c'est tout sauf le gloupier. Attention, oui, voilà, passez ici. Et en plus, alors regardez, Miguel, cerise sur le gâteau, si vous me passez l'expression, une génisse gastronomique qu'on va vous offrir, c'est cadeau ça, de la part d'agriculteur Jean-Pierre Gajan qui est là. Venez près de moi Jean-Pierre, vous allez nous expliquer. Un regalo para ti. Elisa, c'est un cadeau. Venez avec le micro, voilà. Expliquez-moi un petit peu cette vache grise qu'on a vue hier dans la montée sur Gujan. Voilà, de la part de tous Gujan, les éleveurs. Sur Gujan-Neige, pardon. Miguel est originaire de la Terre, il est originaire des Pyrénées, comme nous. Et il monte aussi très bien l'école, il va dans les Pyrénées, pratiquement autour de 2000 mètres, comme les vaches gasconnes. Ce sont elles qui occupent toutes ces surfaces que vous avez vues, ou pas bien vues hier, mais que vous reverrez dans les Pyrénées. C'est elles qui tondent les pelouses, c'est elles qui produisent de la très bonne viande. Elisa, 200 kilos. 200 kilos, elle a 6 mois, et c'est une génisse reproductrice aux normes européennes, c'est-à-dire qu'elle peut être exportée sans problème. Et donc on est fiers magnifique de compter maintenant magnifique Miguel parmi nous. Miguel, vos parents sont agriculteurs en Navarre, oui, c'est ça. Vous savez, seulement des céréales, pas des animaux. Ah, les céréales. Vous savez travailler à la ferme. vous avez fait ça quand vous étiez petit? Beaucoup années avant. À ce moment, non. Et vous sauriez, si par exemple vous arrêtez le vélo maintenant, vous pourriez redevenir paysan? Oui, l'agriculture ne va pas bien. Ce moment. Ça ne va pas bien. Pas même bien. Le maïs, ça ne va pas bien. Non. Bon, ok. Miguel, c'est cadeau pour vous. Je sais que vous retournez à table. La vélo va mieux que la vélo. Le vélo, c'est mieux que le maïs. Oui. Ok, merci Miguel. Bon appétit. Et Elisa pour vous. Chanson de Gainsbourg. Et surtout Elisa, elle a 200 kilos. Donc génisse gasconne grise. Vous pouvez repartir avec si vous voulez. Allez-y, c'est bon. Bon. Vous pouvez vous. Oui, allez. C'est bon, le micro, c'est bon. Il y a un film. On va le retirer alors, d'accord. Super. Voilà Patrick. Merci Gérard, c'était très très sympa en tout cas cette rencontre avec Miguel Indurain. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça Miguel, on a été ravis, on appelle ça un bon moment. Merci donc à Miguel de nous avoir rejoint. Vous avez compris que tout ça était en direct, qu'il avait bouleversé un peu sa journée pour nous, on l'en remercie. On va maintenant revenir à la course car demain il y a une étape assez exceptionnelle, peut-être la plus dure de ce Tour de France. Et alors que nous sommes aux deux tiers de la course, on va tout simplement demander à notre consultant, vainqueur du Tour de France en 75 et en 77, Bernard Thévenet, votre avis sur ces deux premières semaines du Tour de France. Eh bien finalement Patrick, pas grand chose de changé par rapport aux autres Tours de France. Le Tour de France est une épreuve de très longue haleine. Il s'y produit des retournements de situation qui sont fréquents et étonnants. On va faire un petit retour en arrière pour savoir qu'est-ce qu'on pensait il y a 15 jours au départ du prologue de Saint-Brieuc. Les principaux adversaires de Miguel Indurain se nommaient Berzin, se nommaient Rominger, Bordman. Un petit peu après venaient Bugnot, Tonkoff, Jalabert, Virenque, de Las Cuevas. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Il y en a 3 qui ont disparu, Berzin, Bordman et Tonkoff, sur des infortunes diverses. Les autres, hormis Zülle et Jalabert, sont maintenant bien loin au classement général.
Donc il y a un changement d'opinion. C'est bis repetita pour le maillot vert. On s'est creusé la tête pendant un moment pour savoir comment Jalabert allait résoudre le problème pour battre Cipollini, Nelissen, peut-être Musseux ou Abdou. Maintenant, il y a plus que le Tarnais n'a plus qu'à contrôler l'Ouzbek. Le travail est quand même beaucoup plus facile. À l'inverse, au départ, qui aurait dit, et peut-être même pas les intéresser eux-mêmes, que Rhys et Gauthier seraient les leaders de l'équipe Jewis. Qui aurait pensé que seule l'équipe Once poserait des problèmes à Miguel Indurain en amenant à l'avant, à deux étapes avant celle de demain, six hommes au classement général dans les 20 premiers, ce qui est énorme, et en posant quand même d'énormes problèmes à Miguel Indurain. Alors, il y a eu beaucoup de changements dans ces 15 jours. Alors, les 8 prochains jours, enfin les 6 prochaines étapes, que va-t-il se passer ? Je crois qu'on n'en sait rien, tout peut arriver. Mais après tout, Patrick, n'est-ce pas cette succession d'événements qui fait la beauté du Tour ? Merci Bernard pour cette analyse. Et c'est vrai que si on reprenait nos déclarations, les déclarations de la presse écrite, des spécialistes, des coureurs avant le Tour de France, c'est vrai que Gauthier, Rhys et Zoulay ne seraient peut-être pas aussi bien placés. C'est ce qui fait le charme du Tour, Bernard, on vous en remercie. Voilà, on a vu beaucoup de choses. On a vu Jalabert, on a vu Virenc, on a vu Cornillet, Hodge, Miguel Indurain et Savache. On a vu l'âne de Christophe Duchiron. Et bien pour terminer, on va rediffuser quelques instants de ce qui nous a, nous, beaucoup touchés ici. C'était la collaboration de Stephen Hodge, qui était devenu l'envoyé spécial de Sport de Troyes pour la journée de transfert entre la Belgique et le Grand Bornand. Sans plus de commentaires, on va revivre une partie de ce bon moment. Christophe, vous lui aviez simplement donné une caméra Super 8. Ben oui, puisque les coureurs et quelques suiveurs peuvent prendre l'avion, et nous on était en voiture, donc on lui avait donné la caméra, et je vous l'avais dit à l'époque, et il va casser le métier ce gars-là. Je le répète. Il va casser le métier. Moi je rentre demain à Paris d'ailleurs. Non, c'est rien. Bon, en tout cas, nous on se retrouve demain dès 10h, 10h15 le matin sur la 3 pour une journée continue. Et puis là, on va vous laisser avec Stephen Hodge. C'était notre envoyé spécial. Selon Christophe Duchiron, il casse le métier. Allez, à demain pour le direct 10h15. N'oubliez pas le journal du Tour ce soir. Holz, toute l'équipe, Gouraud, Belay et les autres pour le journal du Tour à 20h35 sur la 3. Merci à tous, les Norais, Soie, Vido et les autres, Boisse, Contou, tous. Allez, on retrouve notre envoyé spécial sur la journée de repos. Je suis Stephen Hodge, je suis envoyé spécial pour France 2, 3, Sport. Je fais le Tour de France et on va voir ce qu'on va voir de l'équipe Festina. À bientôt. Bon, là on est dans la piole. Il y a Broche qui se prépare pour le voyage demain. Il fait un peu d'aude. C'est pour changer. Mais aussi, ce qu'on est en train de faire, c'est... Je sais pas si on voit ça avec la télé, mais j'ai sorti... son pulsomètre, mais là à l'arrivée il avait 188 pulsations. Bon appétit tout le monde. Fabien, qu'est-ce qu'il a? Salade de fruits, yaourt. Stephen Hodge. Oh, pas dans l'ascenseur, quand même. Eh oh. Allô. Allô, vas-y. Si t'as que ça, si que t'as que ça à dire à ta femme. Yeah, Virenc, Virenc. Salut. Dis bonjour France 2. Envoi spécial France 2. Voilà. Ah, ça c'est un collègue ça. Oui, bonjour, bonjour. Ah oui, encore des collègues, des envois spéciaux comme moi. Vous travaillez pour quelle télévision? France 2 Sport, monsieur, France 2 Sport. Envoi spécial. Voilà, Jean-Marie Blanc, il est plein dans le boulot. On va pas l'empêcher de faire son travail. Voilà. C'est avec ça, je vais aller voir ma femme et ma petite Isabelle. Avec Air France, je suppose que c'est cet avion-là. Et voilà, salut les mecs. Et salut les mecs. Bon, les journées de repos, c'est surtout de l'attente.
ma foi, on essaie de faire le plus dans la façon le plus relax possible. On lit les journaux, on cherche un peu d'ombre. Voilà, Willy Wood, il appelle sa femme. On va voir ce qu'il va dire. France 3, parce que c'est l'envoi spécial qui vous parle. Et si on veut voir un vrai touriste, c'est lui qui vient, l'Australien, regarde-moi ça. Putain, si ça c'est pas un touriste australien, le seul hôte de la course. Oui, il faut le couper maintenant, ouais. Ça c'est un costaud là, ça c'est ta vie. Il nous a torturé dans le Giro, lui. Et bon, Tony, on a parlé des vacances l'autre jour. Je pensais aux vacances qu'il a pensé dans le contre-la-montre parce qu'il n'est pas allé suffisamment vite. Il a les jambes comme une poule, mec, comme il va vite, le mec. Incroyable. Hey. À ma droite, j'ai des caméras. À ma gauche, j'ai de la presse aussi. Oh oui, Neil. Hey, Neil. Ah oui, voilà, il est là. Voilà le main de Neil Stevens. Ah, c'est avec Zulé ou Jalabemi. Il est là. Ah, je l'ai le sujet. J'ai le sujet là. On va juste faire un petit gros plan. Voilà, finalement, j'arrive. Lumière rouge, il est en train de se faire alors. Il parle avec Richard. Gros plan sur Virenque. J'ai une bonne nouvelle chez Air France, ils ont de l'eau nommée après ma fille. Alors ils ont vu comme elle était belle, ma petite fille Isabelle qui a un an et demi. Ils ont dit voilà, on va nommer l'eau après la fille de Stephen Hodge, course cycliste. Voilà. Oh, il fait beau à Genève. Voilà la première chance qu'un petit Australien a eu de filmer un des légendes à côté d'un un mec qui va vite. Voilà. Bonjour Bernard, comment ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Les vacances sont bonnes? Le tour se passe bien pour vous? Très bien. Oui. J'espère pour toi aussi. J'espère que tu auras la possibilité d'emmener la caméra sur le vélo. Oui, bon, ça c'est moins sûr, mais bon, de toute façon, il y aura d'autres caméras pour filmer ce qui va se passer. Comment tu es belle là? Isabelle, elle attend le premier... Sport de Troyes. Avec France Télécom. Partenaire technique. Et les supermarchés champions. Partenaire officiel du Tour de France vous a présenté En attendant le tour. 3. Avec France Télécom, partenaire technique. Et les supermarchés champions, partenaire officiel du Tour de France, vous donne rendez-vous. La 15e étape du Tour de France, ça se passe tout là-haut, dans les montagnes, là où l'air se fait rare. Alors si vous voulez faire le tri entre les garçons et les hommes, c'est mardi, en direct, à 13h45 sur France 2, le plus grand terrain de sport. Combien de temps vous reste-t-il à vivre? Estimez votre espérance de vie sur 36-17, 100 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton gel douche. Il faut te protéger et t'hydrater. Le gel douche Sanex Dermoprotecteur protège et hydrate. Tu devrais l'essayer. Nouveau gel douche Sanex Dermoprotecteur. On n'a qu'une peau, Sanex la garde saine. La marque, c'est avant tout une garantie. Ah, l'amour, l'argent et la forme. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel, je vous dirai tout. 3615 Soleil. Les marques préparent aujourd'hui les produits que vous utiliserez demain. Toujours panache. Et
maintenant, il y a aussi Monaco. Choisir une marque, c'est choisir la sécurité. Du plan. La Garde républicaine interprète l'Arlésienne sous la direction de Roger Boutry, premier Grand Prix de Rome. Les produits de soie Corinne de Farm sont doux, très doux. Et je le prouve. Corinne de Farm, des soins tout en douceur. Le triple saut, nous vous disions qu'il allait certainement